Oui, Moussaillon, c'est Naka, et bienvenue dans cette nouvelle histoire de champion. Ok, le jour où je sors cette vidéo, normalement, il reste plus que 3 jours avant la sortie de Mage Seekers, le jeu où on suit les aventures de Sylas. Du coup, je me dis que c'est le moment parfait pour traiter de son histoire. Perso, j'ai trop hâte de jouer au jeu, je vais le poncer en stream, et sachez que si vous regardez cette vidéo plusieurs mois après sa sortie, et que vous avez raté mon aventure en live, le let's play sera disponible dans sa totalité sur la chaîne secondaire que vous avez en description. Allez, pour cette vidéo, comme d'habitude, on va d'abord voir la bio de Sylas, et ensuite, je vous raconterai une seconde histoire qui mettra en lumière un moment particulier de sa vie. Et en vrai, c'est un personnage assez important dans l'univers et dans l'intrigue de Demacia, donc j'avais hâte de vous faire cette vidéo. Pour la seconde histoire, cette fois-ci, je suis seul par contre pour des raisons de planning, mais je vais essayer de vous faire la narration au mieux pour que la vidéo soit agréable. C'est parti. Ah oui, petite précision, là dans l'intro j'ai dit Sylas tout le temps, mais je pense qu'en français on dit plutôt Sylas, et vu qu'en général dans les narrations j'essayais de me rapprocher de la prononciation française, on va dire Sylas maintenant. En tant que mage né dans une famille pauvre de Demacia, Sylas de Libourg était sans doute maudit dès sa naissance. Malgré leur faible niveau social, ses parents croyaient fermement aux idéaux de leur pays. Ainsi, quand ils découvrirent que leur fils était affecté par la magie, ils firent en sorte de le convaincre de se livrer aux traqueurs de mages du royaume. Prenant acte de l'étrange capacité du garçon à percevoir la magie, ils se servirent de Sylas pour identifier les autres mages vivant parmi les citoyens. Pour la première fois de sa vie, il sentait qu'il avait un avenir au service de sa patrie. Et il accomplissait sa tâche avec ferveur. Il était fier, mais solitaire, privé de tout contact avec quiconque à l'exception de ses surveillants. Au fur et à mesure de sa mission, Sylas commença à constater que la magie était bien plus fréquente que Demacia voulait bien l'admettre. Il percevait même le frémissement d'un pouvoir dissimulé chez les personnalités les plus riches et éminentes, parmi lesquelles quelques-uns des plus fervents détracteurs des mages. Mais si les pauvres étaient punis de leur affliction, l'élite paraissait au-dessus de la loi. Cette hypocrisie sema dans l'esprit de Sylas les premières graines du doute. Ces doutes finirent par éclore lors d'un événement tragique au cours duquel Sylas et ses surveillants croisèrent la route d'une mage qui vivait à la campagne. Ayant découvert qu'il ne s'agissait que d'une petite fille, Sylas se prit de pitié pour elle. Quand il se plaça devant elle pour servir de bouclier contre les traqueurs de mages, il effleura accidentellement sa peau. La magie de la petite fille se propagea dans le corps de Sylas, mais au lieu de le tuer, elle déferla de ses mains sous la forme d'explosions brutes et incontrôlées. C'était un talent qu'il ignorait posséder et qui entraîna la mort de 3 personnes, dont son tuteur. Sachant qu'il serait traité comme un meurtrier, Sylas préféra fuir, gagnant bien vite la triste réputation d'être l'un des plus dangereux mages de Demacia. Quand les traqueurs de mages le retrouvèrent, ils ne firent en effet preuve d'aucune pitié. Malgré sa jeunesse, Sylas fut condamné à la prison à vie. Il croupit dans les profondeurs obscures de l'enceinte des traqueurs de mages, contraint de porter de lourds fers fabriqués à partir de pétricites absorbant la magie. Dépossédé de sa vision arcanique, le jeune homme laissa son cœur devenir plus dur que la pierre qui l'entravait. Il rêvait de se venger de tous ceux qui l'avaient placé ici. Au bout de 15 années de malheur, une jeune volontaire des Illuminateurs nommée Luxana commença à lui rendre visite. Malgré ses chaînes, Sylas reconnut en elle une magie particulièrement puissante et, au fil du temps, se forgea entre eux un lien secret et inhabituel. En échange du savoir de Sylas sur le contrôle de la magie, Lux lui parlait du monde à l'extérieur de sa cellule et lui apportait les livres qu'il réclamait. En fin de compte, par une minutieuse manipulation, il réussit à convaincre la jeune femme de lui faire passer clandestinement un grimoire interdit, les écrits originaux du grand sculpteur Durand détaillant ses travaux avec la pétricite. Ceux-ci révélèrent à Sylas les secrets de la pierre. Elle était à la base de la défense de Demacia contre la sorcellerie délétère, mais il finit par comprendre qu'au lieu de faire disparaître la magie, elle l'absorbait. Alors, si le pouvoir se trouvait contenu dans la pétricite, se demanda Sylas, pouvait-il l'en libérer? Tout ce qu'il lui fallait, c'était une source de magie, une source telle que Lux. Mais elle ne rendit plus jamais visite à Sylas. Sa famille, la lignée immensément puissante des Krongard, avait eu vent de leur rapprochement et était furieuse que Lux ait violé la loi pour aider cet odieux criminel. Sans aucune explication, il fut décidé que Sylas serait exécuté. Lux monta sur l'échafaud pour supplier de sauver la vie de son ami, mais ses implorations restèrent vaines. Quand le bourreau la poussa pour lever son épée, Sylas parvint à toucher Lux. Comme il l'avait prédit, son pouvoir se déversa à l'intérieur, lui donnant l'occasion de le déchaîner. De cette magie dérobée, Sylas rompit ses fers et n'épargna que la jeune Krongard, terrifiée.
Il quitta l'enceinte des traqueurs de mages, non comme un paria, mais comme un nouveau symbole de défiance pour les faibles et les persécutés de Demacia. Arpentant le royaume en secret, il réunit derrière lui de nombreux mages exilés. Mais peut-être savait-il dès le départ que même leur puissance combinée ne serait pas suffisante pour renverser la couronne. Cela expliquerait pourquoi, accompagné de ses disciples les plus fidèles et de quelques bœufs robustes, Silas finit par s'aventurer au-delà des montagnes septentrionales jusqu'aux toundras gelées de Freljord. Là-bas, il cherche de nouveaux alliés ainsi que la grande magie élémentaire d'une ancienne légende, afin de pouvoir retourner à Demacia et démolir le système oppressif qui l'a fait souffrir, lui et ses confrères mages, pendant si longtemps. Voilà pour la bio de Silas qui nous raconte sa triste vie et qui met en lumière l'oppression que subissent les mages à Demacia. Alors pour rigoler, on a souvent tendance à dire que Demacia c'est des racistes, mais en réalité toute cette histoire avec les mages, ça fait plutôt un parallèle assez évident avec d'autres formes de discrimination comme par exemple l'homophobie. Quelque chose de naissance qui ne peut pas se voir, mais qui te pousse à te cacher dans certains pays parce que sinon tu finis en tôle, voire pire. C'est clairement ce genre de parallèle qu'on a ici dans cette histoire. Silas c'est vraiment un des personnages avec une des histoires les plus politiques de LoL, parce que même en dehors de ce sujet de discrimination, ça parle aussi de lutte de classe, en nous disant que par exemple les mages issus des familles importantes de Demacia ils sont intouchables, ou encore ça nous a montré qu'à Demacia, certaines familles qui comprennent des mages sont obligées de s'exiler de la capitale et d'aller vivre dans les bois autour, où ils sont condamnés à vivre des vies extrêmement modestes, avec très peu de moyens. En dehors de tout ça, sinon l'histoire de Silas nous a également appris une information assez énorme, celle que la pétricite, sur laquelle est entièrement bâtie la cité de Demacia, n'annule pas la magie, mais l'absorbe. Donc en gros, la grande cité de Demacia, c'est une bombe magique à retardement. Et je me demande si un jour elle va péter. Ça va péter ! Allez, on va passer à la seconde histoire de Silas, mais avant ça, je voulais vous rappeler que c'est un des personnages sur lequel il y a le plus de contenu. Si vous voulez en apprendre plus sur tous les détails de cette histoire, il y a le comics sur Lux qui est disponible sur le site et qui est vraiment très bien, et aussi le webtoon sur Katarina qui est encore en train de sortir au moment où je fais la vidéo, et qui se passe en parallèle de l'exécution de Silas. Celui-là, il est dispo sur le site officiel webtoon. Ensuite, évidemment, je le répète, mais il y a le jeu Mage Seekers qui va sortir, et j'ai trop hâte parce que je pense que ces jeux-là, c'est vraiment le meilleur média disponible pour rentrer dans l'univers. On va apprendre plein de petits détails, via des dialogues, on va découvrir les anciens collègues de Silas parmi les traqueurs de mages, on va avoir Garen, Lux, Jarvan et même Morgana qui vont apparaître dans le jeu. Morgana qui a un lien particulier avec Silas et j'ai trop hâte de savoir plus de choses sur ça. Et rien que le fait de parler de tout ça, ça me hype de fou, donc on va passer à la seconde histoire, sinon je vais exploser. Le soleil était au zénith, juste assez haut pour illuminer le camp des exilés cachés au plus profond du canyon. Sous l'ombre de son saule, Silas de Libour attendait patiemment le retour de son éclaireuse. Il la vit enfin faire le tour de l'excroissance rocheuse à l'entrée de la crevasse. Elle amenait au camp un jeune étranger aux yeux exorbités. « Voici Hap. Il veut se joindre à nous. » Silas se redressa, les yeux rivés sur le nouveau venu. « Vraiment ? » ?»« Je le connaissais dans le maquis. Les traqueurs ont pris sa famille. Il s'en est tiré un cheveu. » Silas fit un geste du menton, sans cesser d'observer le jeune homme. Il sentait que le garçon possédait une puissante magie, qui l'entourait comme un suaire noir, mortel. Quant au reste de sa personnalité, Silas ne voyait rien. « C'est un bon gars, » reprit l'éclaireuse, « et il est de Libour. » Silas ne cacha pas son plaisir, comme s'il rencontrait un frère dont il ignorait l'existence. Le gamin bafouilla un mot de salutation. « J'aurais voulu me joindre à votre cause, monsieur. » Tout le groupe de hors-la-loi éclata de rire. Le garçon regarda autour de lui les visages amusés, se demandant quelle gaffe il avait faite. « On ne se donne pas de titre ici, » sourit Silas, « à moins que tu ne veuilles le donner à tout le monde. » « Compris, compris. » La jeune recrue semblait se demander s'il avait eu raison de venir dans le camp. Silas plaça son bras couvert de chaîne sur l'épaule du garçon, espérant apaiser sa gêne. « Détends-toi, Hap. Personne ne te jugera ici. On est très loin de Libour. » Il sentit que le jeune homme se décrispait. « Je sais ce que tu as enduré avec les autres, toujours à t'observer, à te commander, à te faire sentir inférieur. Ici, ça n'existe pas. Ici, tout le monde a sa place de plein droit. » Hap se mit à rayonner, les yeux baissés, comme s'il se sentait indigne de cette joie nouvelle. « Sais-tu pourquoi je porte ces chaînes ?» demanda Silas. La recrue secoua la tête, trop timide pour suggérer quelque chose. « Ce ne sont pas seulement des armes. » C'est pour nous souvenir, nous rappeler d'où nous venons, nous souvenir de ce dont nous sommes capables, de la libération à venir. Tu es avec moi ? Oui, oui, je veux être libéré. Bien, ce soir, tu briseras tes propres chaînes. Le crépuscule tombait et les hautes herbes plongées dans l'obscurité, sur le rebord de la route, étaient la couverture parfaite pour une embuscade. Silas y attendait avec une dizaine de ses meilleurs mages.
À côté de lui, la recrue trahissait sa nervosité. « Ne t'en fais pas !» dit Silas avec un sourire rassurant. « Moi aussi, j'étais tendu la première fois. Au bout d'un moment, ça devient aussi naturel que respirer. » Avant que ses propos n'aient eu le temps d'apaiser les nerfs de la recrue, un grondement de sabots et de roues de carrosse se fit entendre, distant mais en approche. En quelques secondes, le convoi fut devant les hors-la-loi camouflés. Une seconde avant le passage des chevaux, Silas donna un signal à ses camarades. D'un geste du poignet, un vieux mage invoqua une épaisse corde de lierre qui se tendit sur la route devant les pattes des chevaux. Les animaux s'effondrèrent dans un bruit assourdissant en retournant le carrosse dans leur chute. Les mages jaillirent de leur abri et s'abattirent sur les voyageurs avec tout un attirail de sorts et d'armes. Silas sauta par-dessus le véhicule renversé pour se saisir des passagers. « Suis-moi, Hap !» Le garçon le rejoignit sur la cabine et l'aida à arracher la porte. Les charnières cédèrent, découvrant un vieux noble contusionné. Les yeux de Silas brillèrent malicieusement. « Par exemple, qui donc s'agenouille désormais, monseigneur ?» dit Silas en tendant la main. L'aristocrate se hérissa. Bien que blessé, il conservait intacte toute sa haine pour Silas. « Je ne m'inclinerai pas devant quelqu'un comme toi. »« Bien, » dit Silas, « parce que je ne veux pas que tu manques ça. » Il suffit de quelques minutes pour que tous les gardes et cochers du noble se retrouvent alignés sur la route, les mains liées. Silas remonta la ligne en observant chaque prisonnier. « J'ai mal pour chacun de vous, » dit-il. « Vraiment, vous n'êtes que des rouages dans leur machine !» Il fit une pause et changea brusquement de ton pour désigner l'aristocrate. « Mais vous avez choisi de les servir, et donc de servir leur cause !» Il se tourna vers sa bande de parias et posa sa question d'une voix forte. « Frères et sœurs, ces gens sont au service des porcs! Qu'est-ce que cela fait d'eux ?»« Des porcs !» « Doit-on les laisser partir ?»« Non !» !»« Et s'ils changent d'attitude ?» S'ils promettent de ne plus jamais s'en prendre à nous, demanda Silas avec un sourire faussement timide aux commissures des lèvres. Ce sera un mensonge, cria le vieux mage. On ne peut pas leur faire confiance, dit un autre. Alors, que doit-on faire d'eux, demanda Silas. Ils doivent mourir, cria un jeune mage avec une haine bien au-delà de son âge. Silas approuva de la tête, comme si on venait lentement de le convaincre. Qu'il en soit ainsi. Doucement, Silas toucha l'épaule de la recrue. Ses chaînes de pétricide commencèrent à émettre une fumée noire. Il ferma les yeux, savourant la puissance capturée. Cette vue fit courir un frisson de terreur dans le dos des prisonniers. Beaucoup tombèrent à genoux et se mirent à pleurer, implorant d'être épargnés. Seul l'aristocrate resta debout, fier, et il écouta Silas apostropher ses serviteurs avec une détermination noire. « Je suis navré de ne pas pouvoir vous montrer la beauté du monde à venir. » Les mots firent trembler la jeune recrue. « Silas, non !» protesta Hap. « Ce sont juste !» des pauvres gens. Ignorant le garçon, Silas tendit les bras pour déchaîner la magie stockée dans ses gantelets. Un épais brouillard noir jaillit de ses doigts et se rassembla au-dessus des serviteurs du noble. Presque à l'unisson, ils furent pris de suffocation. Quelques instants plus tard, ils tombèrent au sol, morts. Un silence profond s'installa chez les mages qui avaient observé l'exécution. L'aristocrate pleurait sans bruit. Le seul son vint de Hap. Non, pourquoi ? Dit-il en tombant à genoux. Silas remit le garçon sur ses pieds, le consolant d'une main paternelle. « Hap, tu voulais aider notre cause. Eh bien voilà, c'est ainsi que progresse notre libération. » Il guida gentiment la recrue vers l'aristocrate et le poussa vers lui. « Une mort après l'autre. » Hap regarda le noble avec des yeux noyés de larmes. Il tendit une main tremblante pour prendre la vie devant lui, et son bras retomba. « Je ne peux pas. » La patience attendrie de Silas commença à se fendiller. « Cet homme n'est pas ton ami. Sa fortune est bâtie sur tes souffrances. La seule sympathie qu'il aura jamais pour toi, c'est la potence. » La recrue ne bougea pas. L'aristocrate finit par retrouver sa voix. « Tu es un monstre !» dit-il d'une voix brisée. « Oui !» répliqua Silas. « C'est ce que les tiens ont dit quand ils m'ont jeté dans l'obscurité !» Silas leva la main, ses chaînes encore faiblement illuminées. La magie qu'il avait prise à Hap donna naissance à un dernier filament de ténèbres. Le petit nuage noir enveloppa le visage du noble, siphonnant l'air de ses poumons. Tandis que l'homme dépérissait, Silas observa la recrue sans colère, mais comme en deuil. « Je suis désolé, Hap, mais si tu n'es pas prêt à être libéré, pars, retourne à tes chaînes !» Silas vit Hap se détourner, les yeux pleins de honte. La recrue regarda le carrosse ravagé et la longue route poussiéreuse qui retournait vers la capitale. Silas pouvait presque entendre les pensées du garçon, son horreur de ce qu'il attendait en retournant à son ancienne vie. Hap se baissa, prit le poignard dans la main du cocher mort avant de retourner au noble qui se tordait toujours au sol. « Je suis prêt !» En voyant le jeune homme lever la dague au-dessus du noble, Silas sentit sa peine se transformer en joie profonde. Chaque nouveau prisonnier libéré lui apportait ce bonheur.
Et voilà pour cette seconde histoire sur Silas. Bon, vu que j'étais tout seul sur la narration, c'était pas facile, j'espère que mon imitation de Silas vous a pas trop gêné. En vrai, j'aime bien faire sa voix un petit peu pincée du nez, comme ça, mais je suis pas 100% sur la voix du champion, ça reste un peu une parodie, quoi. En tout cas, une histoire assez sombre qui nous raconte plus en détail ce que fait la rébellion avec Silas. Faut savoir qu'ensuite, dans une autre histoire qu'il y a sur le site, Silas est parti du coup à Freljord, on nous le raconte à la fin de la bio d'ailleurs, mais Silas part à Freljord pour essayer un petit peu de gagner de la magie que possèdent les tribus freljordiennes, à savoir notamment la griffe hivernale. Il rencontre la griffe hivernale, c'est la tribu qui est dirigé par Sejuani. Il rencontre pas Sejuani directement, et il y a une histoire où Sejuani se fait un petit peu mettre mal par une armée démacienne qui est en exploration aux contrées freljordiennes, et on sait pas ce qui s'est passé, et moi ma théorie c'est que peut-être que Sejuani s'est fait capturer ensuite par Demacia plus tard, et ça expliquerait pourquoi Silas vient dans la cinématique qu'on voit avec Garen et Lux dans une sorte d'avant-poste démacien où il fait froid, où ça ressemble à Freljord. Il vient accompagné de soldats qui ressemblent à des soldats de la griffe hivernale. À mon avis, Silas vient ici pour essayer de libérer Sejuani. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi le skin Silas de Freljord est canon, parce que Silas est vraiment habillé comme ça quand il est à Freljord. Une petite capuche, toujours les abdos à l'air, hein, c'est important quand même pour vendre des skins, mais quand même la petite capuche freljordienne. Bref, à part ça, du coup, vous êtes parés maintenant pour découvrir le jeu Mage Seeker qui nous raconte l'histoire de Silas justement entre sa libération et son voyage à Freljord. Je sais pas du tout comment on finit le jeu, vu que bah, de toute façon il est pas encore sorti. Je sais pas si on va aller à Freljord, mais on va découvrir ça ensemble en stream, vous avez toujours le lien en description. Et puis comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à lire la BD sur Lux, le comics Katarina, le webtoon pardon Katarina, qui est disponible sur le site webtoon. Pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, il est disponible qu'en anglais, mais ça devrait être traduit bientôt, j'espère. J'espère encore une fois que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager. Vous avez des boutons un peu sous la vidéo pour soutenir la chaîne de plusieurs façons, n'hésitez pas. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à plus, et je flash out.